Je viens de me lever, je suis à la bourre, donc du coup j'ai sifflé flocons d'avoine. Voilà, j'avale ça et je me casse à l'entraînement. Allez, passage rapide à Fitness Boutique pour récupérer ça. Tu vois, pour quand tu dors 3 heures dans la nuit, pour récupérer ça. Ça c'est essentiel par contre, hein, tout le temps. Voilà. Ça avec moi. Il a du vécu le gros. Je vais coacher et ensuite je vous retrouve pour les pecs. Allez, c'est parti les bébés monstres. On ouvre le bal avec des écartés inclinés. Alors, j'utilise une technique qu'on appelle tempo et j'y ajoute un rest pause de 2 secondes en position basse. C'est mon premier exercice et mes épaules et mes pecs ne sont pas encore chauds. Donc du coup, je maîtrise, je contre 4 temps à la descente, 2 temps à la montée et je bloque 2 secondes en position basse. J'utilise une pyramide montante jusqu'à 26 kg et j'aligne 4 séries de 10. Deuxième exercice, on reste sur de l'incliné. Cette fois-ci, j'ai augmenté la charge et je suis passé au développé incliné avec haltère. Alors, comme vous le voyez, je reste en demi-amplitude, je descends pas trop bas pour pas me blesser et quand je remonte, je verrouille jamais les coudes. J'utilise une charge qui me permet d'aligner facilement 10 répétitions et de contracter mes pecs à chaque répétition. 4 séries de 10. Troisième exercice, le développé incliné au cadre guidé. Alors mes pecs sont bien chauds, j'utilise une prise large, je descends, j'étire mes pecs et je contracte à chaque répétition. 4 séries de 10. À ce stade de la séance, mes pecs sont bien congestionnés, je peux passer à un mouvement plus technique. Unilatéral à la machine convergente, je vais aligner 5 séries de 8 répétitions. Alors unilatéral, ça vous permet de vraiment ressentir parfaitement le côté que vous travaillez. Donc j'aligne 8 répétitions en contractant en fin de mouvement. Dernier exercice, les bébés monstres. C'est un exercice building. Alors ça s'appelle de l'écarté en pronation avec le banc bien relevé. Donc celui-là, vous ne le faites pas en début de séance, jamais. Vos épaules ne sont pas assez chaudes, vos pecs non plus. On attend la fin de séance, on prend un poids très léger, on étire bien en position basse, on marque un temps d'arrêt, rest pause, et on contracte le plus possible en fin de mouvement. Donc écarté et on garde les mains en pronation. Ainsi s'achève la séance de pec d'aujourd'hui avec moi, ce monsieur Antor. Antor. Ça, c'est celui qui a pris la relève de Nix Macarizi au niveau des montages d'Iron Saw. Et c'est aussi un client à moi. Du coup, on s'est démonté les pecs et c'est lui qui a filmé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous allez avoir des plans d'Alemote. Allez, vas-y, tape la caméra, Antor. Comment ça se passe quand les stripteaseuses elles arrivent à les vestiaires? T'as perdu la rétention. T'as perdu l'eau. Ah oui. Et le bras, il est plus trop monté. B.
Tu vois ça c'est le meilleur repas post-entraînement que tu puisses bouffer, gros. C'est une formule que j'ai élaborée spécialement pour Iron Food. Tu as 100 g de poulet, 100 g de bœuf maigre, 150 g de riz et un peu de verdure. Ça, c'est de la recharge. Repas numéro 2. Troisième repas, ça bouge pas, gros. 150 g de riz, 180 g de poulet, salade. Je vais te teaser un petit peu. Si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo ou si tu appuies maintenant sur la fin de la vidéo, je vais te faire, en featuring avec la mouche, une petite compile des suppléments alimentaires que j'utilise. Donc, si jamais il y a que ça qui t'intéresse, je te retrouve maintenant à la fin de la vidéo. Sinon, on poursuit. B. La meilleure façon de commencer une séance de triceps, extension à la poulie haute. Tout comme vous pouvez commencer une séance de dos par exemple avec le tirage vertical, l'extension à la poulie haute est la meilleure façon de commencer une séance de triceps. Ça sert d'échauffement ostéo-articulaire et musculaire. Donc là, je vais utiliser une pyramide montante à l'intérieur de ma série. Je vais aligner 10 répétitions avec le poids le plus léger. J'augmente le poids. Je passe tout de suite à 8 répétitions avec cette charge. Et puis à la fin, je vais terminer avec la charge la plus lourde en faisant 6 répétitions. Donc tout ça est égal à une série. Et je vais aligner 3 séries de la sorte. Deuxième exercice, on peut passer à de la charge libre. Donc extension allongée avec haltère. C'est un mouvement qui vient remplacer la barre au front. Comme vous le voyez, les mains restent en position neutre. Et je vais aligner 4 séries de 10. Troisième exercice. Comme vous le savez, je suis un adepte du fonctionnement des machines à 300%. Je cherche toujours à quoi elles peuvent servir. Ici, j'utilise une machine de dorsaux comme machine de triceps. Je m'en sers de presse à triceps. Donc normalement, c'est une machine qui est prévue à cet effet. Où on s'assoit, on bloque les genoux. Et on fait le mouvement que je suis en train d'exécuter. Mais vu qu'on l'a pas à la salle, donc j'utilise la machine à dorsaux pour faire mes triceps. Unilatéral, 4 séries de 10 de chaque bras. Quatrième exercice, le kickback avec haltère. C'est un exercice old school, oublié de la plupart, mais terriblement efficace. Je vais aligner 4 séries de 10. Avec une charge modérée. Pour le dernier exercice de la séance, je reviens sur un travail à la poulie haute, mais cette fois-ci avec les mains en supination. J'augmente l'intensité en fin de séance et je vais aligner 4 séries de 20 répétitions. J'étire un maximum mon triceps en position haute et je contracte à chaque répétition. 4 séries de 20. On augmente l'intensité en fin de séance. Voilà les gars, on sort de l'entraînement, excellent entraînement de triceps et repas numéro 4, plus de glucides, 120 g de poulet, 100 g de bœuf maigre, un peu de verdure pour le repas numéro 4 dans le bulging. Et le rituel continue, enfin se termine plutôt. 4 blancs d'œufs, 100 g de poulet, un peu de salade et hds.to. Si vous cherchez un site où regarder des films en très bonne qualité, les gars, n'hésitez pas, c'est la bombe. On se retrouve demain pour les épaules. On n'oublie pas les suppositoires d'Oméga, en vous souhaitant bonne réception. Iron Soul dans le bulletin. Comme promis, puisque tu es resté sage et que tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te montrer tous les suppléments alimentaires que j'utilise. Alors, si tu me suis depuis le début, tu connais ma politique par rapport aux suppléments alimentaires.
J'en utilise, mais pour moi, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est la nourriture et l'entraînement. Mais c'est pas pour autant que ça n'a pas son efficacité. Alors, je vais te montrer un petit peu ce que j'utilise. En premier lieu, je conseille ça à tous mes clients. Orthosamine. D'accord ? C'est la base de ma supplémentation. J'en prends quasiment toute l'année. Et c'est un complexe de multivitamines, acides aminés, minéraux et extraits végétaux. Voilà, tu as le détail ici. Et c'est un des meilleurs sur le marché. Ensuite, la base, les BCAA. Donc ça aussi, c'est pas... Quand j'entends les gens en parler, on dirait que c'est des stéroïdes presque. Mais voilà, ça fixe les protéines. Et on va dire que ça arrête la phase de catabolisme musculaire après l'entraînement. Je les prends principalement après l'entraînement. Ensuite, la fameuse whey protéine qui déchaîne les passions. J'entends souvent quelle whey protéine il faut que je prenne, bla bla bla. Toutes les whey se valent à peu près sur le marché, à part des whey de qualité vraiment supérieure, mais tu vas payer ça un bras. Bah, si tu as les moyens, tant mieux pour toi. Si tu n'as pas les moyens, c'est vraiment pas avantageux. Moi, personnellement, je prends la Gold Standard parce qu'elle est équilibrée. Même si y a des rumeurs comme quoi leur source de protéines, elle est extraite de fromage, je sais pas trop quoi. Bon. Moi, je m'en tape. La vérité, c'est du Nesquik et ça se mélange parfaitement avec des flocons d'avoine. Donc, ça passe crème. Ensuite, la glutamine pour la récupération. Alors la glutamine, c'est un autre effet que très peu de personnes connaissent. C'est un effet de congestion maximale. C'est-à-dire que si jamais tu dépasses une certaine dose de glutamine et que tu la prends en même temps que ton booster d'entraînement, tu vas avoir un pump de folie. Mais en général, c'est une dose assez costaud et si jamais tu l'utilises trop souvent, ben, niveau investissement, c'est toujours pareil. Tu vas claquer trop d'oseille. C'est 20 grammes. Au-dessus de 20 grammes, tu as l'effet pump. Mais sinon, c'est après l'entraînement pour la récupération. Qu'est-ce qu'on a? Ça, ACE sélénium. Alors ça, c'est un anti-radicaux libre. Quand tu t'entraînes, que tu fais de la musculation, tu as énormément de déchets dans l'organisme. D'accord? Et c'est dangereux pour les articulations. Donc on essaye de les réduire au maximum. Et puis, quand tu es un sportif de haut niveau, tu as un vieillissement prématuré aussi. Et ça, ça aide par rapport à ça. Highlander, 3 siècles de tradition. Ça, peu importe où, peu importe quand. Ça, c'est la base de tout. Les oméga 3. Les oméga 3, pourquoi? Parce que je suis, on va dire, en carence de lipides quasiment toute l'année. C'est quelque chose que je consomme, mais on va dire pas assez. Donc pour les articulations et pour la carence en lipides, oméga 3. Ok? N'oubliez pas les gars, les lipides, système endocrinien, c'est le plus important. Le macronutriment le plus important du corps humain. En période de sèche, carnitine, donc minimum 2 grammes. Peu importe la marque, là j'ai celle-là, mais je peux en avoir une autre, peu importe. Ce qui intéresse le plus les gens, c'est ça. Le booster, le fameux booster. Alors les gars, vous êtes des fous furieux, d'accord? Vous en prenez beaucoup trop, premièrement, et vous rajoutez des cuillères indéfiniment. C'est pas ça qu'il faut faire. Part du principe qu'à partir du moment où il est vendu dans une boutique en France, il sera forcément sous-dosé de tous les ingrédients essentiels. C'est-à-dire que quand je vais lire la notice derrière, il va y avoir tout ce qu'il faut à l'intérieur, mais pas en quantité suffisante. Par contre, la caféine, gros, elle est en quantité suffisante. Pas besoin de Dulcolax, là. Tu prends ça, tu vas au shot direct. Donc, ce que je te propose, c'est de créer ton propre booster. Là aussi, il va te falloir de l'oseille. Tu prends une base. Moi, ma base, c'est celle-là. En ce moment, c'est celle-là, mais ça peut être une autre base. Mais en ce moment, c'est celle-ci. Donc, on a pré-workout numéro 1, extrême énergie de Nutren. D'accord? À ça, je lui rajoute 20 grammes de glutamine.
Je vais prendre, quand j'en ai besoin, quand mon repas il a été trop éloigné, 4 à 5 grammes de BCAA. À ça, je vais rajouter de l'arginine, ok, 5 à 10 grammes. Et à ça, je vais rajouter de la bêta-alanine que j'ai pas sur moi, donc je peux pas vous la montrer. Et puis là, je forme The Booster d'entraînement. Et j'ai pas besoin de mettre 10 cuillères, j'en mets qu'une, d'accord? J'en mets qu'une et je rajoute les ingrédients que je vous ai dit. Donc voilà, j'ai fait le tour des suppléments alimentaires que j'utilise. Je les utilise à l'année. Ça, vraiment, quand j'en ai besoin. Soit quand je manque de sommeil, soit quand je sais que je vais avoir besoin vraiment d'un surplus d'énergie ou que j'ai envie de me faire un kiff en congestion parce que les ingrédients que je rajoute à l'intérieur, c'est vraiment pour du pump. La glutamine à l'année, les oméga 3 à l'année, le sélénium, je fais des cures. La whey, pareil, à l'année, mais je ne l'utilise pas souvent, donc du coup j'achète un pot, il me dure assez longtemps. Voilà, orthosamine à l'année. De temps en temps, je fais des stops de un mois. Mais bon, en général, je garde. BCAA, pareil, à l'année. Donc, vous voyez, c'est très simple. C'est des suppléments alimentaires de base. Il n'y a rien d'extraordinaire. Je pense que tout le monde connaît ces suppléments. Et voilà, j'ai fait le tour. Ma politique par rapport à ça, voilà, vous la connaissez. Si jamais vous en avez réellement besoin, si votre niveau dans le sport est assez extrême, supplémentez-vous. Ou sinon, les gars, ça se passe dans l'assiette. Mangez vos macronutriments, c'est la base de tout. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Les gars, j'espère que la vidéo vous plaira. En vous souhaitant bonne réception, Iron Soul dans le bulging. Et pour les initiés, rajoute un peu de viande sur le cocktail.